arrondir 1585 à la dizaine près. Je vais réécrire 1585 déjà pour pouvoir travailler dessus. 1585. On souhaite arrondir ce nombre à la dizaine près. Le chiffre qui se trouve à la place des dizaines, c'est le 8 qui est ici. C'est celui-ci qui nous intéresse. Quelles sont les possibilités? Si on décide de l'arrondir à la dizaine du dessus, à la dizaine supérieure, donc arrondir au-dessus, arrondir au-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1590. Ça, c'est l'arrondi à la dizaine supérieure. Si on décide de l'arrondir à la dizaine inférieure, arrondir en dessous. Si on décide de l'arrondir en dessous, on va avoir comme nombre 1580 à la place de 1585. Et comment est-ce qu'on décide si on l'arrondit au-dessus ou en dessous? On a vu dans les vidéos précédentes que on arrondit en dessous si le chiffre qui se trouve à la droite du chiffre qui nous intéresse, donc ici le 5, si ce chiffre-là est strictement inférieur à 5, on arrondit en dessous. Et si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, alors on arrondit au-dessus. Ici, le chiffre qui se trouve tout de suite à la droite de celui qui est à la place des dizaines, c'est un 5. Donc ça veut dire qu'on va arrondir au-dessus dans ce cas-là. Donc 1585, on va l'arrondir à la dizaine supérieure et ça va donner 1590.